vous laisse me dire quand vous êtes prêt. Hein. Bonjour, je m'appelle Valérie Rivière, je suis chorégraphe de la compagnie Paul les Oiseaux et je présente dans quelques jours, toutes les filles devraient avoir un poème au TNBA, Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine. Il s'agit de parler de poésie pendant ce travail-là. Il s'agit aussi de rencontrer des personnages au travers du corps, au travers de moments dansés, chantés, parce qu'il y a du chant en direct. Il n'y a pas d'arc narratif. Un poème en chasse un autre sans plus de précautions, comme on abandonnerait une robe. En fait, de compte, au tout début de cette aventure, je faisais un travail de recherche sur la poésie. Donc j'ai lu beaucoup, beaucoup de poèmes. Je crois que j'en ai jamais tant lu qu'à cette période de ma vie. En fait, de compte, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui écrivaient de la poésie, mais très peu qui en lisaient. Et je me suis attachée à lire des poètes vivants, comme des gens déjà décédés. Et en fait, de compte, sur ce spectacle, on se retrouve avec des poètes et des poétesses, morts ou encore vivants. Du coup, ben, on se retrouve avec du Georges Bataille, mais comme on ne l'a jamais fait, je pense. Et puis voilà, on travaille aussi avec un poème de Verlaine, par exemple. Très beau poème, que j'affectionne particulièrement, mais qu'on a mis en anglais. Il y a tout... c'est un spectacle... C'est un concert chorégraphique puisqu'il y a le chanteur en direct, mais évidemment tout est quand même très dansé, même si jamais il y a un contexte mise en scène. Enfin, je veux dire, voilà, tout ça se pose dans un contexte, même si je ne vous dirai pas lequel, parce qu'il faut venir voir le spectacle, sinon je vous ai tout dit, donc ce n'est pas drôle. Mais oui, voilà, la danse est très présente. Peut-être qu'on peut dire que la danse travaille dans les mots, que la chair et les mots... s'associe pour essayer de porter l'émotion, pour essayer d'être dans le sentiment le plus juste possible des impressions poétiques que l'on traverse.